Merci beaucoup, merci. Soyez tous salués ce matin. Bon, ce matin, chez moi, il est 12h. Je voulais dire l'après-midi pour ceux qui sont avec moi ici. Et bonsoir pour tous ceux qui sont en Afrique. Je crois qu'il doit être 17h en Afrique centrale. Le thème que je vais pouvoir aborder avec vous, et je vous prie de participer, hein, comme d'habitude, c'est un thème qui est un peu dur, pardonnez-moi. Mais ce thème, il est dur parce que je suis fâché. Je suis fâché. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je suis fâché? Quand je dis je suis fâché, ça ne veut pas dire que je vais exploser les colères, que je vais tout casser. Il faut bien retenir. Je suis fâché parce que il y a des choses terribles qui se font dans la plupart des pays. Et qui décide de ces choses? C'est ce que moi j'appelle la bête sauvage. La bête sauvage, quand je viens parler de la bête sauvage, je n'insulte pas quelqu'un. Mais je m'adresse à tous ces organismes internationaux qui sont gérés par l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui est la septième puissance mondiale, le septième empire. L'Égypte a fait son temps. L'Égypte était le premier empire mondial, vous le savez. La Babylonie était le deuxième empire mondial. Il a fait son temps. Et vous savez ce qui a fait chuter l'empire Égypte. Pourquoi l'Égypte a chuté? Comment l'Égypte a perdu son pouvoir? Parlant, j'essaie ici, selon l'histoire, hein, de vous amener un peu dans l'histoire de ce que j'appelle la bête sauvage. Disais-je, la Babylonie a perdu son pouvoir de contrôle de la planète parce que c'était le deuxième empire mondial. La puissance médo-perse, parce que les deux se sont combinés, ils ont tenté de commander le monde.
je vais vous expliquer ce qui a fait chuter ces pouvoirs et ces puissances mondiales. Il y a eu la quatrième puissance mondiale, la puissance assyrienne. À son tour, elle a eu un succès pour un temps, elle a chuté. Le cinquième empire, qui est la cinquième puissance mondiale, c'était les Romains. Vous savez, les Romains ont dominé le monde, jusqu'à prendre même certaines parties de l'Égypte comme étant leur province, à prendre la Palestine actuelle comme étant leur province. Les Anglo-Saxons ont succédé au pouvoir romain. Pendant ce temps, les Arabes, bien sûr, massacraient, faisaient le désordre, ils ont récupéré l'Égypte en 640, et nous savons, avec tout ce qui s'est passé, avec l'épée, ils ont dominé le monde. Ah, Teta Mwanga, je vais vous amener un peu dans l'histoire, pardonnez-moi, pour mieux comprendre le sens de mon message. Je suis en train de vous décrire ce que j'appelle la bête sauvage d'abord. Et les Anglo-Saxons ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont dominé le monde, ils ont imposé aux gens des rois et des reines. Et l'Afrique n'en est point échappée de cette domination macabreuse, méchante. Les reines Victoria, reine Elisabeth, qu'est-ce qu'ils ont amené à l'Afrique? Dieu seul sait. Et après cette sixième puissance, la septième puissance, naturellement, c'est celle qui aujourd'hui dirige le monde, l'ONU. L'ONU est cette bête sauvage avec des têtes bizarres et qui raconte des choses qui fait bouder le peuple. Et je vais maintenant vous dire, la bête sauvage c'est qui? La bête sauvage c'est tous ces pouvoirs, tous ces pays puissants du monde qui viennent imposer des conneries aux gens. Aujourd'hui maintenant, ce qui me met un peu mal à l'aise, pour que les pays africains bénéficient de l'aide quelconque, on impose aux pays africains, en échange, de rentrer dans une chose immonde. Là, je viens maintenant pour vous expliquer ce que j'appelle la chose immonde. La chose immonde, c'est toute chose qui va contre la volonté du Créateur des cieux et de la terre. La chose immonde, c'est celle qui scandalise les populations, religieuses ou non religieuses. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin même d'adorer Dieu, mais lorsqu'on vient vous imposer quelque chose qui vous met mal à l'aise, c'est cela ce que j'appelle la chose immonde. La première chose immonde qui sont venus imposer à l'Afrique, c'est quoi? L'homosexualité. Dépénaliser l'homosexualité. Voilà une chose immonde. Moi, je ne suis pas contre les homosexuels. Mais je suis contre le fait qu'on vienne légaliser, qu'on vienne parler des choses qui concernent la moustiquaire, des choses qui sont des questions privées, qu'on vienne imposer cela aux populations. Mais où va le monde? N'êtes-vous pas d'accord avec moi que ça devient une chose immonde lorsqu'on va maintenant montrer aux enfants comment faire l'amour? On va montrer aux enfants comment se masturber? On va montrer aux enfants que la masturbation c'est bon? On va montrer aux enfants dès l'âge, je ne sais pas, de 8 ans, en classe du CE1. Voilà la chose immonde que je viens vouloir vous entretenir. Mes frères religieux, dans tout ça, vous faites quoi? Quand je regarde bien la plupart des pays du monde entier, c'est bien beau de venir dire ici, de venir faire le bruit auprès de nous les initiés pour nous dire non, vous ce que vous faites c'est diabolique. Mais vous êtes impuissant de réagir, vous êtes impuissant. Et pourtant la plupart des pays qui sont membres de l'ONU, hein, la bête sauvage, voilà ce que j'appelle la bête sauvage, c'est la puissance actuelle qui dirige le monde. Nous avons été succédés, dominés par 6 précédentes puissances et toutes, je ne suis pas rentré dans le détail. Savez-vous pourquoi la Babylonie a chuté? C'est parce qu'ils ont tourné le dos au vrai Dieu. Ils ont tourné le dos au grand créateur des univers. Ils se sont retournés vers des faux dieux. Savez-vous pourquoi la puissance romaine a chuté? Mais parce qu'ils se sont mis à adorer des dieux qui ont des phallus. Ils se sont mis à faire des orgies. Ils ont introduit une religion d'État pour aller couper les têtes des Africains sur toute la planète. Et ça, c'est la vérité, ça. Voilà pourquoi je dis que les puissances mondiales, ce sont des bêtes sauvages qui ne veulent que du malheur, le malheur des gens. Mais mon Dieu, où va le monde?
L'ONU ne va jamais sortir un bon matin pour dire aux gens, voici quelque chose de bon pour pouvoir mettre les gens à l'aise, pour rendre les gens heureux. Ils sont toujours dans le flou, ils sont toujours dans des conneries, ils sont contrôlés par l'Europe, les États-Unis d'Amérique et bien d'autres pays. Je sais de quoi je parle, mon Dieu, je vis dans ce pays, mais c'est un pays démoniaque. C'est ici où on dit soi-disant, on a les grandes écoles de théologie. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent à ces prêtres? Qu'est-ce qu'ils enseignent à ces pasteurs? C'est d'aller enseigner désormais à nos enfants la dépénalisation de l'homosexualité. Je le répète, pour les empires que j'ai étudiés, très bien, l'empire qu'on appelle la Babylonie a chuté. C'est parce qu'ils se sont retournés vers les faux dieux. Ils ont tourné le dos aux rites ancestraux, à la connaissance primordiale. Et se sont retrouvés à adorer n'importe quoi. Si vous lisez l'histoire du roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, vous savez comment il a fini, lui? Il a fini par brouter l'herbe comme un fou. Il se mettait à marcher nu. C'est parce qu'il avait tourné le dos au grand créateur des univers. Et le grand créateur des univers, rien n'est compliqué, mon Dieu. Tout ce qu'il a créé, tout est harmonieux, tout est beau. Mais pourquoi on veut changer les conditions de vie, mon Dieu? Vous connaissez l'histoire des Sodome et Gomorre, qui ont bel et bien existé. Replacez-vous dans l'histoire géographique de la planète. Vous verrez que toutes les puissances mondiales ont chuté. C'est du fait de se tourner vers des choses immondes. Des choses immondes veut dire des choses qui sont contre l'ordre mondial tel que laissé par le grand créateur des univers. L'ordre tel que laissé par le créateur qui nous aime. C'est ça la chose immonde. La chose immonde, c'est lorsqu'on vient vous imposer des choses qui n'ont rien à voir avec l'élévation de l'homme. Voilà la chose immonde. L'homosexualité, le fait qu'on vient dépénaliser ça, qu'est-ce que ça a à voir avec l'élévation de l'esprit de l'homme, mon Dieu? Il n'y a plus de secrets sur cette planète Terre. Ce qui se passe dans la moustiquaire devient des choses qu'on parle maintenant n'importe comment. Il n'y a qu'à voir le pays dans lequel je vis, mon Dieu. Les gens parlent sans gêne du sexe. Ils parlent sans gêne des fesses. Mais ça, c'est des choses privées. Je le répète que je ne suis pas contre les gens qui sont des homosexuels ou des hétérosexuels, je ne sais pas trop qui. Ça, c'est leur business à eux. Ce qui se passe dans votre moustiquaire avec votre femme, que vous fassiez le 69, que vous fassiez le 66A, le 66B, ou bien le 33, ou bien le crapaud, ou bien le baiser de la carpe, tilapia, ou bien la danse du singe sur le lit, ou bien... Bref, je vais vous citer quoi? Ça, c'est ce que j'ai appelé dans le Kama Sutra. Les 1500 positions sexuelles que vous pouvez faire avec votre femme sur votre lit, ça, c'est votre secret à vous, dans votre maison, dans votre chambre, mon Dieu. Nobody want to know that business. That's the private matter. What the hell is going on? It's a dirty mind. Putting people in dirty minds. Our minds are already confused. Our minds are already full of shit. And that's the problem. That's the reality. Why are we going so far, man? Leave people alone. Leave people alone. We're already dealing with a lot of stress because of the crisis going around the planet. And now you're bringing all kind of shit, teaching our kids from third grade how to masturbate. What are we going to do with the masturbation? You're going to turn our kids beast. Ce n'est pas normal. Où va le monde? On a d'autres priorités. On est tellement stressé avec les systèmes politiques qui sont boitillants. Nous sommes tellement stressés avec des systèmes, surtout le cas de certains pays, surtout les pays francophones. La France qui ne veut pas nous laisser tranquille, la France qui nous emmerde. On ne peut pas se réveiller. Le cas de mon pays, le Gabon, non, il faut que la France s'implique. Mais qui crée la crise du Gabon? C'est la même France. Et qui veut résoudre le fameux problème? Il pense que c'est la France. Maintenant, on fait asseoir quelqu'un qui a gagné légalement son élection pour le faire asseoir avec l'autre, pour se foutre la gueule des Gabonais. Tout ça, on a déjà des problèmes qui nous stressent. On a des élections qu'on ne sait même pas si ces élections vont avoir lieu ou pas. Et ça nous met, nous, en contradiction. On vient sensibiliser les populations, aller au vote. Et à un moment, on nous dit encore des histoires de transition. Ça, c'est déjà autant de stress que certains peuples africains vivent. Le cas du Gabon, c'est celui que je maîtrise le plus. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe actuellement en Haïti, mon Dieu. En Haïti, il y a toute une migration importante des gens qui quittent l'Haïti pour venir ici, pour aller en Europe, parce que qui est derrière tout ça? Mais ce sont ces grandes puissances. C'est la bête sauvage.
Je le répète que c'est la bête sauvage, l'ensemble de tous les pays qui donne la trompette à l'ONU, c'est qui? Vous pensez que l'ONU la fonction de lui-même? Mais ce sont les grandes puissances, c'est la France, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est les pays d'Europe qui passent par des tentacules qu'ils créent, les tentacules tels que l'UNICEF, tels que je ne sais quel organisme, pour venir imposer aux populations des choses immondes. Comme j'ai dit, je ne vais jamais, je ferai l'effort de ne plus parler plus d'une heure sur TikTok. Oh, je dois respecter ce règlement-là. Mon message est très clair. La bête sauvage, mes frères et sœurs, vous, mes enfants, mes petits-enfants, la bête sauvage, c'est ça là. Les gouvernants là qui travaillent, qui, sous couvert de l'ONU, parce que l'ONU c'est leur poupette, c'est leur porte-parole. Et les organismes internationaux, c'est ça là que j'appelle la bête sauvage. Tous les organismes qui viennent nous imposer des lois qui n'ont rien à voir avec notre élévation. Que ce soit l'élévation morale, oh, que ce soit l'élévation spirituelle, oh, que ce soit même l'élévation sociologique, psychologique. Rien. On vient, c'est pour nous mettre encore psychologiquement par terre. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous qui êtes des religieux? Pour mes frères musulmans, ça là, je les respecte parce qu'il y a même certaines mosquées où ils ont fait la guerre à ces histoires de gays, de LGBT, maintenant qui veulent être tolérés dans les mosquées. Ça, félicitations à nos frères musulmans. Mais mes frères chrétiens, c'est triste. C'est vraiment triste. Mes frères chrétiens, je m'adresse à vous, parce que la plupart des pays, en majorité en Afrique, c'est des pays chrétiens. Vous prendrez le cas du Gabon. C'est près de 90%. C'est des chrétiens. Tout le pays, le Gabon, là, 90% c'est des chrétiens. Au Congo, c'est près de 88%. Mon Dieu. La Côte d'Ivoire, je ne sais quel autre pays. Combien? Le grand pourcentage, c'est des chrétiens. Mais les chrétiens, vous faites quoi des paroles-ci? Vous faites quoi des paroles-ci? La colère de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens ou qui ne sont pas chrétiens, la Bible n'est pas une propriété chrétienne. Je lis votre propre parole, votre propre Bible. Elle dit quoi? L'état de péché et de la condamnation de l'humanité par Dieu. Les raisons pour lesquelles Dieu a condamné l'humanité depuis le début de l'histoire. Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 26. Je vais le lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute pratique immonde, contre toute injustice, contre les hommes de Dieu qui retiennent injustement la vérité captive. Je suis en train de sauter les autres versets. Mais le verset 21 attire notre attention jusqu'au verset 26. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont pas voulu lui rendre grâce. Mais ils se sont égarés du chemin de Dieu dans leurs pensées, dans leurs actes, dans leur cœur, sans intelligence, et ont plongé leur intelligence dans les ténèbres, se vantant d'être des gens sages, alors qu'ils sont devenus fous à cause des décisions qu'ils prennent. Ils ont donc changé la gloire de Dieu incorruptible à des conneries que je ne peux point décrire. C'est pour cela, le verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté selon leur mauvaise convoitise du cœur, en faisant des choses immondes, pour que eux-mêmes ils se déshonorent de leur propre corps et qu'ils créent la honte à eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils changent la vérité de Dieu en faisant quoi? Les femmes ont changé l'usage naturel de la femme en celui contre nature. Et c'est ainsi, on voit des hommes qui abandonnent leur usage naturel que l'homme va avec la femme. Ils se sont enflammés dans leur plaisir et dans leur désir les uns pour les autres. Ainsi, un homme qui va coucher avec un homme, chose infâme et immonde. Une femme qui va coucher avec une autre femme, chose immonde et sale. Je m'arrête ici. Comment pouvez-vous, c'est écrit, c'est le Nouveau Testament, non?
C'est bel et bien écrit. Homme avec homme, chose immonde. Vous avez connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Comme je vous l'ai dit au départ, toutes ces puissances-là ont chuté. C'est parce qu'ils ont connu Dieu. Je ne suis pas là pour venir vous prêcher, mais j'ai juste pris la Bible ici pour vous montrer, vous, les nations chrétiennes majoritaires, comment vous allez tolérer des conneries de ce genre. Dépénaliser l'homosexualité, c'est maintenant constitutionnalisé. Dans toutes les constitutions. Et vous voyez ces présidents en Europe, ouvertement, qui montrent leur homosexualité, qui invitent les homosexuels. Donc Dieu est devenu un homosexuel. Mais franchement, lui-même Dieu, il est en train de mentir dans sa parole que vous lisez tous les jours. Romains chapitre 1, du verset 24 jusqu'à 26, c'est très clair. Et vous regardez ça comme ça. Vous vous taisez. Là, je m'adresse à mon cas du pays, le Gabon. Parce que il y a des intellectuels, on a même leur nom. Des éminents docteurs, hommes comme femmes, qui ont accepté que maintenant, dans nos écoles au Gabon, on va enseigner aux enfants comment se masturber. Mais mon Dieu! On va montrer aux enfants la sexualité en classe de CE1. Third grade. Ça a commencé comment? C'est ça ma rage. Ça me met mal à l'aise. Je suis obligé de passer des heures entières à éduquer mes petits-enfants. Mes petites filles ont crié au scandale. Mon petit-fils, enfin, ils sont deux ou trois. Mes trois petits-fils, ils disent, mais c'est pas possible. Grand-père, où est-ce qu'on va? J'ai dit, mais n'osez même pas penser à l'Amérique, ici c'est pire. On protège des mecs qui offrent leurs fesses. Je ne suis pas contre le fait que vous changez l'usage naturel de Dieu. Vous avez changé l'usage naturel de Dieu en offrant vos fesses à un autre homme. Et les femmes, en vous faisant plaisir avec vos langues, avec des objets piquants ou des bananes ou je ne sais quoi que vous mettez dans le sexe, vous avez laissé cet usage naturel. Ça, c'est votre choix. Mais c'est des choses qui ont existé depuis la nuit des temps. La destruction de l'Empire romain, je vous le dis, c'était les orgies. Et pourtant, ils se sont précipités à venir détruire la muraille de Jérusalem à l'an 70, non? Vous pouvez vérifier dans le livre d'histoire. Le général Tito, il s'est précipité sous l'empereur romain qui était là à l'époque, au 1er siècle, pour aller détruire. Ils viennent détruire les divinités qui étaient là. Ils viennent détruire, soi-disant, le Dieu d'Israël pour imposer maintenant un nouveau Dieu. Le nouveau Dieu, c'était quoi? Les orgies. Ça buvait, ça mangeait, ça se mettait nu. Et jusqu'à présent, si vous partez même en Italie, vous verrez les statues là, des hommes nus. On montre le pénis. Il y a même un rite funéraire, un rite initiatique qu'on adresse à ce dieu-là. La statue est exposée partout et les gens sont fiers. Les gens viennent font des photos à côté de ça. Vous trouvez ça normal? Donc, mon ras-le-bol, c'est le fait que, un, les hommes religieux, ne vous fâchez pas. Mais vous êtes Babylone. C'est vous, Babylone la Grande. Je suis désolé. Vous pouvez venir me dire n'importe quoi, mais je vous dis la vérité. Là, je ne m'adresse pas aux pauvres Mandiango comme nous autres, mais je m'adresse aux pasteurs, aux prêtres, ceux qui sont des leaders religieux. Comment vous allez accepter une bêtise pareille? Donc, vous allez accepter que nos enfants acceptent cette chose immonde. Je ne vais pas vous amener dans vos Bibles ou dans les Corans. Vous savez que c'est condamné par Dieu. On fait comment? Et comment voulez-vous, je le répète une fois de plus, que les nations puissent s'élever spirituellement, puissent atteindre leur dimension de connexion avec Dieu? Vous êtes perturbés. Nous sommes tous perturbés. Oh, mais heureusement, je ne regarde plus la télé. Et qu'à partir de mon téléphone, je choisis ce que je dois regarder, en limitant mon temps de 2 heures par jour. Mais sinon, je serais affecté totalement. Parce que si vous mettez la télé en marche, ce qu'on vous montre, c'est des conneries. Pardonnez-moi de vous aborder un sujet qui n'a rien à voir avec le thème. Là, on est en train de chercher des hommes très riches qui sont allés sous les eaux, d'ici là, à plus de 4 kilomètres.
4000 mètres, plus de 4 kilomètres, ils veulent aller déranger les génies sous-marins qui ont bloqué le bateau qu'on appelle le Titanic. La folie des hommes. Et tous, hein, c'est des multimilliardaires. Jusqu'à aller sacrifier le pauvre enfant. L'un des riches dit à l'enfant, on va aller. L'enfant dit, mais est-ce que c'est nécessaire, papa? Oh, allons, on va faire l'aventure. Ah bon? Savez-vous ce qui existe au-delà de 3 km sous la mer? Savez-vous les créatures qui y vivent? Bref, je ferme cette parenthèse. Voilà les folies des hommes. Au lieu de faire des choses pour évoluer, pour faire évoluer la société dans le bon sens, non. En Chine, je vous signale qu'en Chine, cette loi-là n'existe, ne passera jamais. Ils n'oseront même pas oser parler de ça aux Chinois. Les enfants chinois sont concentrés à apprendre. Les enfants chinois, on les forme à être les futurs leaders du monde. On les forme à pouvoir, on leur fait passer des connaissances qui vont leur permettre de dominer la planète Terre. Parce que dans leur tête, on les a déjà préparés que les Américains, là, ce sont nos ennemis. Laissez, on fait semblant d'être amis avec eux. Les Européens, là, ce sont nos ennemis. Ils ont voulu nous imposer leurs croyances bizarres. Nous, là, oh là là. Étudiez l'histoire de la Chine, hein. Les gens ont traité Mao Tse-tung de fou, de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, qui plie le genou devant les Chinois? Toutes les puissances mondiales ne peuvent pas fonctionner sans la Chine ou bien la Russie. Pour vous dire quoi? Ce peuple russe, ce peuple chinois, et big up au président ougandais, Museveni, je l'aime bien ce monsieur, ce papa. Quelle honte quand je vois le président de ce pays où je vis qui ose dire oui, on coupe les sanctions parce que vous avez refusé d'accepter les homosexuels. Mais qui a dit? Le président ougandais avait dit qu'il faut, on refuse maintenant les homosexuels. Il y en a plein d'homosexuels au Rwanda, même au Gabon, je ne sais pas quel pays. Il a seulement refusé qu'on fasse passer une loi comme quoi ces mecs-là, ils doivent être libres de se coucher, faire les orgies. Ça n'a pas de sens. C'est une vie privée. C'est une vie privée. On n'a pas le droit de s'intéresser à ce qui se passe ici, là, sous la culotte, là. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la vie privée. Que vous fassiez 1500 positions sexuelles avec votre femme, ou que vous fassiez 50, ou que vous fassiez, comme je l'ai dit, que vous fassiez le 69 renversé, le 111, ou bien le 66A, 66B, le 33, le crapaud qui gonfle, ou bien l'alouette qui chante, ou encore jouer à la guitare, gratter, souffler, technique d'essoufflation. Ça, c'est votre vie privée sexuelle. Et tout ce que je suis en train de vous citer, c'est des techniques sexuelles qui permettent le couple de s'épanouir sexuellement. Mais est-ce que ce genre de choses, on a besoin de venir voter une loi que désormais, les enfants dès la classe de CE1, allez, imposition à tous les États africains. Et tout ce bordel, c'est en Afrique qu'on envoie ça. On n'a pas imposé ça aux Chinois. On n'a pas imposé ça à la Russie. Non. Les gens deviennent des pervers. Les gens deviennent des fous. Au lieu d'être des sages. Moi, je pensais qu'être président, c'est une position où il faut être sage. On ne devait pas mettre n'importe qui comme président. Un président, c'est un homme sage. C'est un homme sorcier qui maîtrise les grandes sciences. Et quand on est grand sorcier, c'est-à-dire que quand on est un véritable sage, un véritable mage, lorsque vous êtes assis sur votre banc, vous ne pensez qu'à l'avenir du pays. Vous ne pensez qu'au bien. Vous êtes là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que la prison centrale, on a torturé les gens. Mais qu'est-ce que ce bordel-là? Laissez, donnez-moi le téléphone ici. Mais alors, le général, commandant en chef de la prison centrale, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous maltraitez les prisonniers? Hein? Trouvez-moi une solution! Pourquoi vous êtes terrorisé les populations? Ça, c'est le rôle d'un chef d'État. Mais un rôle de chef d'État n'est pas là pour faire passer des lois sur la sexualité ou sur l'homosexualité. Ça a commencé comment, mon Dieu? Et puis vous allez vous demander comment? Pourquoi j'appelle ces gens-là la bête sauvage? Mais je vous annonce la bonne nouvelle. Tout comme ça s'est passé en Égypte, tout comme ça s'est passé à l'Atlantide, je vous informe. Savez-vous pourquoi il y a eu le déluge universel? Et je vous informe que l'affaire du déluge universel, je préfère changer. Parce qu'il y a eu plusieurs déluges. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus d'une cinquantaine de pays qui ont subi les déluges universels, qui ont subi ces déluges-là, même jusqu'à notre 21e siècle? Le saviez-vous? Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière les déluges?
les scientifiques, oui, je crois à la science, viendront nous dire, oui, c'est des phénomènes naturels, et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que vous avez vérifié la vie privée des gens qui vivent dans ces îles? Est-ce qu'on a vérifié la vie privée des gens qui vivaient à l'époque de Noé, là? Hein? Utpashkanish. Est-ce qu'on a vérifié sa vie? Est-ce qu'on a vérifié la vie privée de l'époque de la Mésopotamie? Pourquoi le peuple hébreu avait été puni? Pourquoi le Dieu des Hébreux là avait fait absorber 250 000 morts avalés dans la terre? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous voyez? Les gens disent seulement non, catastrophe naturelle. Mais vous oubliez que tous les humains, quelles que soient les époques, quelles que soient les ères, nous sommes à l'ère après Jésus, selon la description des Romains. À notre ère, chaque ère, tous les 2000 ans, il se passe quelque chose de négatif ou de positif. Mais malheureusement, lorsque nous avons regardé l'histoire, depuis l'époque de l'Atlantide, l'Atlantide avait chuté, eh bien, on a expliqué pourquoi. Ils ont tourné le dos vers les flambeaux des mystères, vers les grandes connaissances, pour élever l'homme à une meilleure compréhension, une meilleure union avec lui-même, de vivre en harmonie avec les autres, l'amour, la paix, la justice, la puissance. C'est ça dont l'homme a besoin. Et ces quatre attributs jugulent et régulent la vie normale d'un être humain sur Terre. Mais non. Vous pensez que c'est de l'amour lorsqu'on va aller enseigner à nos enfants maintenant comment se masturber. Vous trouvez ça normal? Alors, je ne vous parle pas, il y a des grognes. Ce genre de loi bidon passe parce qu'il y a certains pays qui ont la majorité au niveau du Parlement et ils font passer ces lois-là n'importe comment. Du coup, donc, vous comprendrez, à chaque fois, je ne change pas mon langage. Lorsque j'ai toujours dit que la plupart des constitutions des pays africains, ça devient des chiffons, ça devient des documents qu'on fabrique. Parce que c'est au goût du président qui vient, au goût de celui qui va venir là et il mettra tout... il mettra tout à son goût. Ah oui, oui. Par exemple, je prends le cas du Gabon. Celui qui va venir là, bon, si le prochain président, c'est un président qui va être élu par le peuple, ou je ne sais pas comment ça va se passer, ou bien c'est peut-être... Veuillez me pardonner. Hello, my brother. How you doing? Is it for 4001? 99. So you took care of the key, remember? I talked to you last time. Yeah. Oh, thank you so much, bro. Don't worry about that. I know you took care of it. I appreciate that, bro. Thank you. Alors, quand ces gens-là votent ce genre de loi, le prochain président qui viendra dira, mais c'est pas possible. C'est quoi ce bordel-là? Alors, on est obligé de modifier encore la Constitution. On enlève. Et un autre encore, qui est un pervers, viendra et dit non, oh, il faut légaliser les orgies, il faut légaliser l'homosexualité. Alors on vient, on enlève. Donc du coup, les constitutions en terre africaine, ça devient des chiffons. Ça ne reste pas stable. La constitution américaine, je l'aime bien, elle est restée stable pendant près de 200 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques amendements qui ont été créés récemment. M. Obama arrive et dit non, il faut maintenant autoriser le mariage des homos, il faut leur donner les mêmes droits qu'un couple normal créé par Dieu. Mais lui-même, il a même regretté après avoir fait passer ce genre de loi. Alors que c'est des affaires privées. Et les républicains se sont levés contre ça en disant non, c'est chaque État qui doit décider. Ce n'est pas vous de venir imposer les gens. Mais malheureusement, comme il avait la majorité, la loi est passée. Parce que le politique prime aux besoins du peuple. Je le répète, que le politique prime aux besoins du peuple. Le politique piétine la volonté du peuple. Le politique décide du malheur ou du bonheur du peuple. Vous comprendrez que pour moi, le politique, je ne suis pas en contradiction, je vous le dis, je suis un ancien homme politique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne cache pas ma position, je soutiens certains hommes politiques, mais ils le savent, je n'accepterai jamais d'être politicien, c'est-à-dire occuper un poste politique. C'est clair. Mais j'accepterai d'être un conseiller. Je peux porter des conseils aux gens. Parce que je juge que au niveau où je suis, au vu de mon âge, au vu des petites connaissances que j'ai, je dis bien des petites connaissances, je ne prétends pas être maître, je ne prétends rien, je ne connais rien, je n'ai qu'un niveau CP2. Mais avec mon petit niveau CP2, je peux apporter quelque chose de positif pour élever une nation et être conseiller auprès de ce dernier. Puisqu'il y a d'autres pays d'Afrique et d'outre-mer qui me donnent la confiance, à qui je porte des conseils, et ils me reçoivent. Comprenez? Donc, je dis, moi,
la politique, le monde de la politique qui gère correctement la conscience collective des populations pour leur bonheur et pour leur bien, je dis ceux-là, je ne les appellerai pas la bête sauvage. Mais quiconque s'élève contre la volonté du peuple, décide de voter des lois qui vont contre la volonté du peuple, sans passer d'abord par quelque chose de populaire. On devait demander au peuple, c'est-à-dire le référendum. On doit demander au peuple, peuple, oh, est-ce que vous êtes d'accord que, ah, les Blancs, là, ils sont venus nous dire maintenant ici, là, que non, dès la classe du CE1, on doit apprendre aux enfants comment se masturber, comment embrasser une fille, comment ceci, cela. On doit leur apprendre maintenant la biologie, et ceci, cela, la sexualité, sexualité ou sexologie, je ne sais même pas quoi. Des programmes qui étaient réservés normalement aux enfants qui ont plus de 18 ans, une fois vous êtes à l'université, on vous donnait quelques idées de la classe de troisième ou seconde sur la biologie, mais on ne rentrait pas en profondeur. Maintenant, aujourd'hui, c'est en classe de CE1. Peuple, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut faire, on peut accepter cette loi et l'introduire dans notre constitution? Et le peuple, on va attendre comme ça se passe au Mali. Dans leur majorité, ils ont accepté que oui, le français, abat le français, on ne veut plus entendre parler du français, on doit parler notre propre langue. Voilà comment un peuple normal, qui a la tête sur les deux épaules, là je m'adresse au chef, un chef normal, un chef qui est sage, qui n'est pas influencé par des intérêts égoïstes, des bandes de voyous qui viennent à gauche, à droite l'intimider. Un président normalement ne doit être intimidé par qui que ce soit. Advienne que pourra. Voilà un vrai président. Vous êtes président d'une nation. Vous n'êtes pas une girouette. On ne doit pas vous manipuler. Donc le référendum serait le bienvenu et le peuple va s'exprimer. Et alors vous allez sortir avec les résultats. Monsieur le ministre de l'Intérieur, on dit quoi? Oh, la population a sa majorité au 91%. Ils ont dit niet. D'accord? Alors, donnez-moi, répondez-moi. Ministre chargé de ceci et cela, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Santé publique, réunion. Alors, vous me préparez une lettre pour répondre à ces organismes internationaux, pour me répondre à la bête sauvage. Dites à la bête sauvage que nous, virgule, Gabon, pays basé sur nos valeurs et rites traditionnels, sur des valeurs et dont le socle est Dieu, rien que Dieu, qui est au contrôle de nos vies, et usant de notre sagesse, au vu des renseignements, au vu du référendum, voilà ce que le peuple a décidé. Donc, par conséquent, notre pays rejette cette proposition d'imposer dans les écoles primaires l'enseignement sur comment l'enfant doit se masturber. Ça, c'est le devoir des parents. C'est le devoir des parents. C'est nous, les parents, qui devons éduquer nos enfants sur la sexualité. La mère a le rôle d'éduquer sa fille. Voilà comment moi j'ai grandi au village. La mère, c'est elle qui a le rôle d'éduquer sa fille. Que voilà ma fille, voilà comment on lave, voilà comment on fait. Quand tu auras tel âge, tu auras tes périodes. Voilà. Va d'abord ceci, prends l'éducation, apprends les métiers. C'est pas peut-être. Moi aujourd'hui, moi mon langage est le suivant. Je dis à mes petits-enfants, c'est pas forcément l'école qui va vous donner tout ce que vous voulez. Hein. La preuve, moi-même, je suis là. Ce que je suis allé apprendre, c'est le même passé que je fais aujourd'hui. Je me rends compte que finalement, j'ai un autre don, j'ai un autre appel, et je l'exploite au maximum. D'accord? En tout cas, les livres, si Dieu me donne la vie, les gens vont mieux lire mon histoire. Donc, j'ai dit à mes enfants, à mes petits-enfants, c'est bien beau d'aller à l'école, c'est un plus, puisque je l'ai fait. Malgré mon âge avancé ici, j'ai repris l'école. C'est important. Ça vous permet d'avoir une ouverture du champ de conscience, une ouverture de la connaissance universelle. Accès à pas mal de choses, parce que un homme doit tout apprendre et doit tout connaître. On a le potentiel de divinité. On a ce potentiel d'être un Dieu vivant, c'est-à-dire un petit Dieu, puisque nous sommes l'image de Dieu, créé à son image. Nous avons tous ces potentiels. Et j'ai toujours dit aux gens qui me reprochent que non, comment vous allez vous initier dans près de 29 milieux? Mais mon Dieu, rien, vous n'avez rien compris. La tête que vous voyez, la grosse tête là, le gros cerveau là, est capable d'emmagasiner des milliards d'informations. Les nombres, tout. Tant que vous êtes vivant, vous devez toujours apprendre parce que la planète Terre est une école. Donc, apprendre veut dire quoi? Éduquons à nos enfants. Vous, la mère, apprenez à votre enfant. C'est vous qui devez apprendre à votre enfant.
Parce que les enfants sont tellement curieux. À l'école, là-bas, ils vont voir des histoires, même à travers le téléphone. Ils vont voir des films porno. Oh, maman, j'ai vu ceci. Les gens se suçaient ou bien il y a eu la masturbation. Ah, ma fille, ça là, faut pas. Ainsi de suite. Vous devez mettre des garde-fous dans les téléphones que vous achetez à vos enfants. C'est possible de le faire. Maintenant, nous, les pères aussi, parlons à nos enfants. Le rôle du père, c'est d'éduquer son petit garçon. De dire à son petit garçon que regarde comment je traite ta mère. Bon, peut-être tu te poses des questions, pourquoi je suis maintenant célibataire? Mais si je suis célibataire, parce que moi-même j'ai un mauvais caractère. Soyez honnête avec votre enfant. Bon, par conséquent, mon fils, la masturbation, c'est peut-être un phénomène naturel, mais il ne faut pas être esclave de ça. Pourquoi? Parce que quand tu te masturbes, selon nos traditions, tu déposes de la nourriture sur la table des démons. Maintenant, d'autres religions vont vous dire, vous nourrissez, vous devenez un nourricier invisible du diable. Et d'autres vont vous dire, dans par exemple le yoga, moi me dira que, et j'y crois fermement à cela, je l'ai expérimenté, à chaque fois que j'ai tenté de faire ce genre de choses, ça fait très longtemps, j'étais encore jeune, je me rendais compte que je me dépensais des énergies. Mais c'est normal, je perdais une partie du prana, de l'énergie cosmique exprimée en moi. Et qu'on m'a appris que la masturbation qui est recommandée, il y a deux formes. Il y a la masturbation consciente, celle qui consiste à vouloir vous aider à soigner ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. C'est même le traitement que je recommande aux hommes qui souffrent de l'éjaculation précoce, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à faire même 5 minutes, même 10 minutes, rien. Bon, je vais aller parler des 10 minutes, parlons même des 5, ils n'arrivent même pas là-bas. Donc, du coup, ça veut dire que ce mec-là souffre de l'éjaculation précoce. Et ça, c'est le traitement que je recommande. Là, je parle à mon fils, garçon. Je lui dis, tu vois, voilà la seule méthode où tu peux te masturber. Mais quand tu te masturbes, ça s'appelle masturbation avec rétention. Donc, il ne faut pas jouir. Tu attrapes, dès que tu sens que ça sort, tu bloques le sphincter, la respiration. Et c'est ainsi que tu es en train de faire un traitement naturel, surnaturel, en utilisant ta volonté. Ce qui fait que lorsque tu te trouveras sur les fesses de la femme, étant donné que ceci est devenu une habitude, pendant que tu fais l'amour avec la femme, il faut aussi savoir le nombre de mouvements. Et il faut varier les positions. Pour quelqu'un qui est amateur, qui n'est pas très bon dans le sexe, il peut varier au moins pour le premier jour avec une femme, pour la première fois, pour ceux qui me suivent, pour les hommes qui souffrent l'éjaculation précoce, par exemple, ben, il peut faire la technique d'une masturbation pénétrée. C'est-à-dire, il sort, il va, il sort, il va. Quand il sent qu'il veut jouir, il se retient. Il bloque sa langue, il bloque le souffle. Et ainsi de suite. Ça, c'est des genres d'éducation qu'on peut donner en privé à nos enfants pour leur expliquer qu'en fait, la masturbation ne va pas vous rendre service parce que la masturbation, le fait de trop se masturber, vous exercez une force extérieure qui n'a rien à voir avec la force du vagin. Parce que cette affaire-là est réservée au vagin. Mais quand vous utilisez la main, eh bien, vous usez tellement de force que vous rendez mauvais service à l'appareil génital du point au point où vous allez souffrir des éjaculations précoces. Donc, masturbation régulière, trop de masturbation égale éjaculation précoce, égale également, virgule, impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle. Ça, c'est des choses que moi, j'éduque aux enfants. Oui, quand vous vous masturbez trop, et voilà, c'est ce qu'on va enseigner à nos enfants, comment se masturber. Oubliant que la science nous le prouve, pardonnez-moi, la science nous prouve que quand vous vous masturbez trop, votre sexe va faiblir. Même si vous êtes bandant, mais lorsque vous allez trouver devant les fesses d'une femme, vous n'allez pas résister. Ça là a été étudié, prouvé, démontré. Faites vos recherches. Voilà des conneries qu'on va aller enseigner à nos enfants de la classe du CE1 pour rendre nos enfants des futurs PD de la société. Parce que quand votre phallus ne se bande, ne se met plus bien debout et que vous étiez esclave de la masturbation depuis l'âge de 8 ans, mon Dieu, au CE1, maintenant quand vous aurez 18 ans, quand vous aurez 20 ans, mais vous serez une femmelette dans le foyer. Je le répète que le fait de se masturber trop, quand vous êtes esclave de la masturbation, je vous parle parce que j'ai des clients qui me contactent. J'ai des clients spirituels, bien sûr, dans le cadre de mes consultations, qui m'appellent, qui m'expliquent. Et lorsque je fais le diagnostic, lorsque je leur pose des questions, ils avouent que oui, je constate que vraiment, papa, petit papa ne se lève plus. Et je demande, est-ce que vous aviez l'habitude? Ben, oui, je me masturbe pendant que madame est au lit. Alors qu'il existe une troisième forme de masturbation qu'on appelle la masturbation. Comment on appelle, que la femme doit faire, c'est-à-dire que c'est la femme qui vous masturbe et vous masturbez la femme. Ça, c'est un plaisir échangé. Vous échangez ce plaisir. Bon, bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Ce n'est pas ça l'objectif. Retenez que la bête sauvage, qui est l'ONU, sous couvert de tous ces petits organismes, ces tentacules, et les pays européens, viennent imposer des programmes qui ne sont pas bons.
L'homosexualité ne doit pas être enseignée à l'école. Les masturbations ne doivent pas être enseignées à l'école pour nos enfants qui sont encore tout petits. Je ne suis pas contre, s'ils peuvent, il y a des experts pour cela. Je sais qu'en Europe, il y en a plein d'experts. Même en Afrique, il y a maintenant des sexologues. Ici, là, mon Dieu, il y a plein de corps. Vous pouvez faire même la formation. Vous préparez votre diplôme pendant 3 ans seulement. Vous devenez sexologue, thérapeute. Ça, il y en a. Donc, dans un cadre privé, je n'interdis pas les gens. Il ne faut pas qu'on comprenne mal mon message. Mais moi, je dis, on ne doit pas mettre des saletés sur la Constitution. La Constitution d'un pays, c'est la Bible du pays. C'est le règlement du pays. Donc, si on met des conneries, on va être sanctionné comme Sodome et Gomorre. On va être sanctionné comme l'Empire romain. On va être sanctionné comme l'Empire babylonien. On va être sanctionné comme l'Empire assyrien. Parce que tout tournait toujours autour du sexe. Tout tournait toujours aux histoires du bas de la culotte. Et c'est ce qui entraîne la chute de beaucoup de puissances mondiales. La chose immonde, hein, vous l'avez compris. La chose immonde. La bête sauvage, vous l'avez compris. Donc, quand vous voyez mon thème, bête sauvage plus chose immonde, égale à quoi? Vous avez la réponse vous-même. La colère de Dieu va venir. La colère de Dieu va venir. C'est comme cela. Je vous ai dit que le cycle de tous les 2000 ans, si vous avez la chance, tous les 2000 ans, là, nous sommes en 2023, non? Mais est-ce que vous savez les crises qui ont secoué la planète Terre depuis l'an 320, l'an 610, l'an 1054, l'an 1914, l'an 1939? Savez-vous ce qui a secoué la Terre? Les dates que je vous donne là, hein, recevez la vidéo. Vous allez vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Il y a eu des crises très fortes. Et qu'est-ce qui est derrière ces crises-là? C'est toujours les empires qui commandent. C'est ce que les anglo-saxons ont fait en Afrique. Là. Pardon, je ne veux plus parler de ça. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, y a-t-il des gens qui veulent poser des questions ou des intervenants? Parce que moi, je contrôle mon temps. Je contrôle mon temps, je vous ai dit. Avez-vous des questions? Oui, merci beaucoup, Choco. La crise économique européenne en 1929. Oui, ça c'est vrai. 1914, la Première Guerre mondiale. Là, c'est vrai. Maintenant, 1939. Jusqu'à 1940. Bref. Bon, je vois quelqu'un qui veut faire une intervention en vidéo. Odette, Lumière, ok. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, Odette. Comment ça va? Ça va. Tu as suivi mon sujet. Hein? C'est sur ça que tu veux intervenir, n'est-ce pas? Oui, bon, j'ai rattrapé un peu. Je n'ai pas tout suivi. Seulement, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour votre intervention, votre... vidéo, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et pas votre. Disons, j'apprends beaucoup de choses. Donc, je tiens à vous remercier. Non, de rien, Odette. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est de venir sensibiliser. Hein? Cette affaire des choses qu'on vient imposer au pays, là, bon. Je sais qu'au Togo, ce n'est pas passé. Je sais qu'au Bénin, ça ne va pas passer. Cette loi-là ne va pas passer. Toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique du Sud, du côté du Sud là-bas, Sud-Est, rien. Oh. L'Ouganda a dit niet. La Gambie n'est pas prête à accepter des conneries comme ça. L'Afrique du Sud encore, c'est grave. Mais il n'y a que nous, les pays francophones, qui voulons encaisser ce genre de conneries. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Et on se demande pourquoi les pays n'avancent pas. On se demande pourquoi les pays n'évoluent pas. Mais parce que les dieux, la colère des dieux est sur nous à cause des conneries qui n'élèvent pas les gens. Il faut faire des choses qui élèvent la nation. Or, pour élever la nation, c'est tout pour le peuple d'abord, pour que le peuple soit heureux. C'est ça qui élève une nation. Oui. Quand il y a de l'emploi, hein, et ainsi de suite, et des bonnes choses, apprendre les bonnes mœurs, hein, les valeurs morales. Ça, c'est pas les valeurs morales. Aller demander aux enfants d'apprendre la masturbation, c'est pas des valeurs morales.
Non, non. Ok. C'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites aussi. Merci Non, beaucoup. mais je vous en prie, Odette. Bonne journée. Bien des choses à vous. Bien, je crois que je vais pouvoir fermer parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent venir intervenir en dehors d'Odette qui est venue me remercier. Donc, mon sujet a été clair. Je vais tirer la conclusion. La bête sauvage, ce sont tous les gouvernements qui acceptent des concepts, qui acceptent des modes opératoires, qui acceptent des modules, qui acceptent des programmes qui vont contre la volonté du peuple. Parce qu'aucun peuple sur Terre n'acceptera, même vous les adultes qui dirigez ce pays-là, accepteriez-vous que n'importe quel Niakoin vienne vous dire, oh, monsieur le président, moi je vais vous apprendre comment vous masturber. Vous voulez accepter ça? Ou bien, madame, bon, monsieur le président, permettez-moi, je vais éduquer votre femme comment être homosexuelle. Vous allez accepter ça? Je ne crois pas, hein? So, parfois, il faut utiliser ce qu'on appelle en anglais le common sense. Essayez un peu, même si on a perdu les vraies valeurs morales. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique se perd. Notre jeunesse africaine se perd parce qu'on ne leur amène plus, on ne les amène plus sur nos valeurs morales réelles. Toute nation qui ne repose pas sur le socle de nos valeurs morales ancestrales, traditionnelles, eh ben, cette jeunesse est perdue. Elle est perdue. Voilà pourquoi je cible, à chaque fois que je viens parler ici, là, je viens toujours cibler la jeunesse. Je viens toujours cibler, veut dire, je viens toujours sensibiliser la jeunesse. Jeunesse, réveillez-vous. Et parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui ont déjà des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, et même de 20 ans. Oh, allez-vous accepter que vos enfants à vous, vos petits-enfants, y compris moi-même, allons-nous accepter que maintenant dans les classes de CE1, dans les manuels scolaires, on osera enseigner nos enfants comment se masturber? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit contrôler nos vies privées? C'est ça la question que vous devez vous poser avant d'accepter ce genre de choses. Donc, vous comprendrez, mon langage a été peut-être trop dur. Hein? Moi, je dis bête sauvage, je n'ai pas insulté mon gouvernement gabonais. Je n'ai pas insulté le gouvernement africain. La bête sauvage, c'est l'ONU. Parce que c'est avec l'autorisation de l'ONU que toutes ces petites agences-là, l'UNICEF, UNESCO, de ceci et cela, qu'ils viennent se permettre de nous bombarder de conneries qui ne riment pas du tout avec notre spiritualité. C'est cela la vérité. Voilà la vérité, c'est celle-là. Donc, jeunesse africaine, vous avez des plateformes sur vos histoires de TikTok, sur le bas Facebook. S'il vous plaît, veuillez relayer ce genre d'informations. Faites la pression auprès de vos gouvernements locaux de leur dire que n'acceptez pas ces choses immondes-là. Ce que j'appelle choses immondes, comment apprendre aux gens comment se masturber, comment apprendre aux gens comment devenir homosexuel, comment apprendre aux gens je ne sais quoi. Allez une bonne fois enseigner aux gens comment mentir, comment voler. Comment tuer? Et tout cela, montrer, légaliser ça, mettre dans les constitutions. C'est cela le problème. Donc, on devait faire tout pour lutter sur ce genre de choses immondes. Donc, la bête sauvage, jeunesse, je le dis à haute voix, je n'insulte pas nos pays. Mais la bête sauvage, c'est qui? Ce sont les organismes internationaux qui viennent voir nos présidents pour leur demander de faire passer des lois bidones. Qui n'ont rien à voir avec l'élévation de la jeunesse africaine, qui n'ont rien à voir avec l'élévation du peuple africain. Voilà la bête sauvage. Alors, je vois ici deux intervenants. Avez-vous une participation ou quelque chose à dire? Bonjour papa. Oui, bonjour. Oui, Oui. j'ai suivi votre interview. Donc je tenais à vous féliciter déjà, parce que c'est vraiment un bon travail que vous faites. La jeunesse Merci. africaine en a besoin, surtout pour ceux qui sont ici en Europe, hein, parce que même nous les Noirs, enfin, même les jeunes Africains qui venaient d'abord en Europe pour se chercher, penser à leur famille, ils sont devenus dans les délires de LGBT, tout ça. Donc c'est malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est quand tu, bon, t'es en cours de route, je suis rentré du travail, je suis tombé sur votre live, j'ai un Non. peu écouté jusqu'à la fin. Vraiment, c'est à féliciter, papa, hein, c'est à féliciter.
J'aimerais dire, mais qu'est-ce que, il faut aussi que vous puissiez maintenant nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour changer ce système? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous puissions construire nos propres écoles pour être en dehors de ce système? Oui. Ah, c'est 38 seulement. C'est beaucoup de. Bon, s'il vous plaît, tous les autres, là, fermez vos micros. Fermez vos micros, parce que la parole est à Amon. S'il vous plaît, fermez vos micros. Odette, micro fermé. Frédéric, fermez le micro. Bien, la question que vous me posez, en tant que peuple mekémite, c'est-à-dire peuple noir qui revendique le retour à nos sources, le retour à nos traditions, le retour à nos valeurs morales, oui, il faudrait que nous n'avons pas besoin d'attendre. La preuve en est que j'ai suivi un jeune chercheur, docteur de recherche, je crois, d'origine camerounaise, qui parlait justement de l'histoire. Il a dit qu'il a fait sa soutenance en histoire sur des histoires qui ont un rapport avec l'Europe. Mais on ne veut pas écrire l'histoire de l'Afrique. L'Afrique, l'histoire de l'Afrique semble être occultée. Pourquoi? Mais parce que nos frères blancs savent tout le désordre qu'ils ont fait en Afrique. Donc nous-mêmes, le destin du peuple africain est entre nous-mêmes africains. Nous n'avons même pas besoin de l'aide d'un pays européen pour le faire. Nous avons Effectivement. des savants africains qui ont déjà laissé les jalons. Je fais allusion à Cheikh Anta Diop. Il y a encore le vieux, le papa là, le professeur, Monsieur Obenga du Congo. Nous avons Gomez qui vit encore. Nous avons d'autres qui sont du côté des îles, Haïti, Martinique. Nous avons au moins une centaine de grands professeurs, et au Sénégal, ils sont nombreux, qui sont des conservateurs, qui sont des vrais kémites du retour vers nos valeurs traditionnelles. Donc, pour vous répondre à votre question, oui, il est possible que dans notre 21e siècle, nous-mêmes, nous décidions, avec la volonté du peuple, suggérer cela au président de chaque pays, si nous devons ouvrir nos propres écoles, où on doit apprendre nos langues, comme le Mali est en train de le faire. Hein? Et d'autres pays, en Tanzanie par exemple, en Ouganda, ils parlent leur propre langue. L'anglais est usité ou utilisé par peu de personnes, uniquement par certaines personnes. Le président de l'Ouganda, il parle mieux sa langue que l'anglais. Oui? Le président rwandais Kagame, il parle mieux sa langue rwandaise que l'anglais. Donc nous devons créer nos propres écoles dans ce sens, école de la culture, école même jusqu'à l'école supérieure, donc universitaire, où on doit faire passer, enseigner à nos enfants notre propre histoire du peuple africain. L'Afrique, est-ce que le nom Afrique là, c'est un nom qui c'est le vrai nom original? Non, non. Enseigner à nos enfants que l'Afrique ne s'appelait pas Afrique, qu'il y avait un gouverneur romain qui s'appelait Africanus. C'est à cause de lui qu'on a donné le nom Afrique. Maintenant, quel est le nom de l'Afrique? C'est toutes ces choses que nous devons enseigner à nos enfants. Quelle est l'histoire de l'Afrique? Hein? Comment l'Afrique a commencé? Quels sont les empereurs? Quels étaient les rois qui étaient du côté du sud de l'Afrique? Qui étaient les rois qui étaient du côté du nord? Est-ce que l'Afrique était divisée? Voilà ce genre de choses que nous devons enseigner à nos enfants. Nous devons les enseigner à nos enfants. Donc, en ouvrant nos propres écoles, pour répondre à votre question, c'est ça ma réponse. Oui, chaque nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit ouvrir nos propres écoles kémites. Bon, même si ce n'est pas le mot kémite, mais des peuples, Non, mais des c'est ça, écoles. papa, Kémy. Ouais. Mais papa, quand vous dites que non, quand vous dites que non, nous devons demander l'autorisation au gouvernement. Vous savez très bien qu'au-dessus du gouvernement, il y a un autre monde. Donc, je pense que c'est à nous-mêmes de le faire sans demander l'autorisation du gouvernement, parce que c'est sûr que ce sera non si on demande l'autorisation du gouvernement. Je prends mon cas, par exemple, moi, je suis congolais aussi. J'ai envie de faire, comme vous dites, de mettre en place des écoles au pays, tout ça, mais c'est pas en demandant l'aide au gouvernement que je vais faire ça. Je dois avoir une armée qui a la même conscience que moi, qui a la même vision que moi, et voilà, peut-être avoir d'autres contacts qui sont aussi un peu solides, mais c'est pas en demandant l'aide du gouvernement. Enfin, je pense, après, ça dépend des pays, hein. Mais par exemple, je prends le cas des pays francophones, c'est mort. On prend D'accord. Gabon, Congo, je sais pas quel pays encore là, c'est mort. Cameroun, c'est mort. Je Oui, pense. vous voulez donc Je suivre pense. une démarche, vous voulez suivre une démarche de Lumumba, une démarche de la véritable révolution. Mais avant de passer par cette grande révolution pratique, il faut toujours suivre la procédure légale. La procédure légale, c'est quoi? Vous voyez avec le ministère de l'Intérieur,
Vous dites au ministère de l'Intérieur que voici mon intention. Bon, pas vous personnellement, c'est-à-dire que l'ensemble de tous ceux qui... une association. Voilà, toute l'association se réunit et dit, écoutez, nous voulons ouvrir nos écoles Kémite, dans lesquelles nous avons l'intention de valoriser notre culture, de valoriser d'enseigner à nos enfants l'histoire de nos pays, l'histoire de l'Afrique, et Voilà. ainsi de suite. Voilà. Et C'est ça. revenir sur ce qui était, nous avons des documents. Le premier alphabet n'avait pas seulement 28 lettres, hein, je vous informe. On Bien doit sûr. revenir sur l'ancien alphabet. On doit revenir sur l'enseignement de la géométrie. Et la géométrie, en tant que géométrie, science, mathématique, mais la géométrie également géomancienne, la géométrie mystique. Nous devons enseigner tout cela. Tout ce programme-là qu'on enseignait à l'Égypte antique. Il y a les documents qui sont là et de refaire revivre cette flamme-là. C'est possible, oui. Parfait, papa. Papa, vous avez déjà monté une association dans laquelle on peut agrandir cela même au niveau de l'Europe, ou bien pour l'instant vous donnez juste des enseignements? Je donne des enseignements. Il y a eu des bonnes volontés qui m'ont soutenu. On a pu avoir déjà le terrain en Afrique. D'accord. On a déjà acheté le terrain, un très Là, vous grand enseignez. terrain, dans lequel le projet de l'école et autres, je ne veux pas en parler au public ici, oui, c'est Bien déjà sûr. fait. Mais Ah, sur l'école en ligne, là, moi, les gens m'ont proposé plusieurs fois, j'ai diplôme, je suis hésitant parce que pour faire cette école en ligne, il faudrait que j'abandonne mon boulot qui me rapporte suffisamment quand même pour vivre à l'aise. Et si je l'abandonne, ça veut dire que j'aurais besoin du soutien. Est-ce que les Africains Kémites sont prêts à vraiment faire ce sacrifice-là pour que je puisse faire ceci à plein temps et que l'école virtuelle, cette école virtuelle où je pourrais rentrer en contact avec les autres initiés qui sont cachés, qui viendront faire passer des connaissances sur la mathématique ancienne, sur la géométrie, sur la géomancie, sur la spiritualité négro-africaine, sur l'histoire et tout et tout et tout, comment on comptait les mois, les lunes, le calendrier Kémite et tout ça là, on peut le faire. Bon, il y a déjà une école que je connais, l'école Ankh, qui a ses bases, je crois, au niveau du Mali ou du Sénégal. Ils ont déjà fait de grandes avancées. On est là-dessus. Je vais m'associer à eux pour les soutenir. Mais la réponse est celle-là. Du point de En vue tout cas, école, je priais vraiment que je sois en vie et que les moyens doivent suivre. Mais il y a déjà des grands efforts parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, qui ont pu dégager vraiment des sommes importantes pour avoir déjà la parcelle sur laquelle la chose va être, hein, l'école ou les écoles peuvent s'ouvrir petit à petit. Même si je quitte ce monde, au moins il y aura une relève. je soutiens beaucoup votre initiative. Même moi, de mon côté aussi, bon, j'enseigne des frères qui sont ici en Europe, moi je suis en France, des frères ici qui de la jeunesse à retourner auprès de notre tradition, auprès de notre culture, parce que beaucoup, je vous dis, papa, sont dans une... Non, moi-même, parfois, je me dis, mais je suis dans quel monde, en fait? C'est D'accord. malheureux, mais parce qu'ils ont oublié toutes ces valeurs. Ils Bien ont oublié sûr. toutes ces valeurs. Et vous, quand vous donnez ce genre d'enseignement, j'aimerais même que tous les jeunes de la France vous suivent pour qu'ils puissent savoir qui ils sont, malheureusement. Mais bon, on va se Oui, battre, je on crois va que se c'est un battre. problème. Je crois que c'est un Et... problème d'horaire aussi, c'est le temps. Parce que si c'est entre. Souvent, ils sont branchés. Je constatais que mon audience, des fois, j'arrive jusqu'à 1000 branchés. C'est souvent à partir de 21h ou 22h, heure de France. Mais là, à l'heure-là, chacun cherche son bout de pain. Mais c'est pas grave. J'ai fait des petites vidéos là. Ils suivent de temps en temps. La sensibilisation vous passe. Bon, on va passer la D'accord. parole à quelqu'un d'autre. Il y a Frédéric et Adams Merci, qui papa. attendent là. Oui, maître, Merci, papa. bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, je vous remercie pour l'enseignement. Je voudrais demander comment on va faire pour vous raconter en privé, quoi, comment on va faire pour vous écrire en privé. Comment faire? Bon, là, il faut. Je suis beaucoup sollicité, il faut l'avouer. Pour me rencontrer, non, pour pouvoir me rencontrer, c'est pas facile. Il faut plutôt dire comment rentrer en contact avec moi. Parce que pour me rencontrer, Comment vous écrire quoi? vous pouvez m'écrire à partir de mes forums. C'est le moyen le plus sûr où souvent je reçois et je réponds immédiatement. Bon, quand je dis immédiatement, lorsque, selon le fil d'attente. Sur mes forums. Et les forums, là, on les trouve sur ma chaîne YouTube, l'élu des Tétans Zambé. C'est-à-dire que si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, vous voyez en bas, là, il y a un lien. Vous cliquez dans le lien, là,
Voilà, ça va vous amener sur les autres groupes WhatsApp. Je crois ils sont trois, ils sont déjà tous pleins. Le groupe qui est disponible, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 000 membres, c'est le groupe Telegram. Donc, vous verrez ce lien, le lien du groupe Telegram qui est en dessous de la vidéo YouTube de ma chaîne L'élu de Teta Zambé. Là, c'est facile. Mais si vous m'écrivez ici sur TikTok, c'est pas facile. Il y a près de 110 000, voire 120 000 abonnés, sans compter près de 400 000 likers. Et quand les gens m'écrivent, certains ne sont pas abonnés. C'est pas facile. Imaginez-vous, vérifier près de 50 000 messages. Et puis, je travaille, hein, j'ai un boulot. Compliqué, c'est C'est compliqué. compliqué. Donc, voilà pourquoi je suggère qu'il faut me contacter plutôt par mes forums, parce que là-bas, j'ai quatre administrateurs. Et ces administrateurs, si je ne réponds pas immédiatement, ils vont me rappeler que, ah, il y a tel qui a écrit et il va vous répondre. D'accord? Hein? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Non, c'est Marie Komori même qui m'a appelé, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez Amon, me dire? Amon, Amon, coupez le micro. Amon, Pardon? coupez votre micro. Je disais coupez votre micro là-bas parce qu'il y a Vous quelqu'un qui pouvez me parle. déconnecter, maître, s'il vous plaît? J'arrive pas à sortir là. Alors, vous pouvez vous Ah, c'est bon. déconnecter alors. Oui, Oui, vous pouvez c'est vous bon, c'est déconnecter. bon. Bien. Adam, à vous maintenant. Frédéric, vous pouvez fermer votre micro. Je vais donner la parole à Adam. Ah, ok, vous pouvez me faire Alors, descendre, quoi. Je ne sais pas comment faire pour couper le ah, micro. Vous pouvez me faire vous tapez descendre. sur le téléphone, vous tapez le bouton retour. Ça va vous faire sortir. Retour. D'accord. Allô, Adam, je vous écoute. What the hell? It looks like it's gonna rain. Bonsoir, Mary. Oui, bonsoir. J'espère que vous portez bien, en fait. Je tiens debout, je suis là. D'accord. Au fait, j'interviens suite au dire du live Oui. par rapport à ce que vous avez appelé comment dire, la La bête, chose immonde. voilà, les bêtes sauvages, Ouais. voilà, la chose immonde. Aujourd'hui, moi je dirais que les jeunes devraient prendre conscience parce que si on parle du fait que les jeunes africains aujourd'hui sont plus dans la distraction que dans la conscience, que dans la conscientisation, en fait, si je peux le dire ainsi. Parce que le jeune africain aujourd'hui, au lieu de s'intéresser à comment faire pour pouvoir, je sais pas, s'élever d'une manière spirituelle ou bien à savoir faire comment pour faire pour faire prospérer sa société, Ouais. il s'intéresse plus dans les réseaux sociaux, à s'intéresser à autre chose et tout, je sais pas. Au fait, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que au lieu que nous nous intéressons plus comment faire pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous, Africains, nous, jeunes Africains, on s'intéresse plus à des bêtises. Et pour une société pareille, comment faire pour pouvoir contrecarrer à des propositions de loi venant des Occidentaux de ce genre-là? On va dire aujourd'hui que il est normal. Ils font passer ces choses-là pour des choses normales, alors que ce sont des choses contre nature. Que même, je sais pas, comment dirais-je, désolé, maître, je tâtonne un peu trop quand je réfléchis. En Oui, je fait, comprends. qui entrave, Je comprends. entrave nos rites et coutumes, en fait. Ouais. Donc, ces choses-là, moi, je veux savoir comment est-ce que dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui est plus dans la distraction que dans la conscientisation, comment on peut faire pour pouvoir vaincre ces genres de choses, au fait, pour pouvoir contrecarrer les plans des Occidentaux qui veulent toujours imposer leur, je ne sais pas, leur loi immonde au niveau de l'Afrique, qui n'ont même absolument rien à voir avec notre façon de vivre, ancestrale et notre façon de vivre à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, la société est complètement pourrie à cause de ces genres de lois. Et partons aussi du principe que, partons aussi du fait que nos gouvernements, ils sont plus là pour servir les intérêts, ils s'en foutent complètement du peuple. Parce que j'ai vu ici au niveau du Gabon chez moi, il y a des jeunes, comme le jeune frère l'a dit, qu'il fallait créer des écoles où on parle notre langue vernaculaire, nos langues natales et tout ça.
Il y a des jeunes Gabonais, une association de jeunes Gabonais ici au niveau du Gabon, qui ont fait une demande, qui ont posé une demande au gouvernement pour pouvoir ouvrir, au fait, pour pouvoir permettre à certains enseignants pour pouvoir enseigner nos langues dans nos écoles au niveau du Gabon ici. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait, au fait, parce qu'ils disent qu'il y a la France qui s'interpose dans ça. Ils disent qu'à chaque fois, peut-être, à chaque fois qu'ils veulent. Qui veulent faire un truc de ce genre, la France s'interpose parce qu'ils se disent que si ils font ça, les Français ne vont plus pouvoir comprendre ce que bon, nous, on va pouvoir se communiquer contre message entre nous, au fait. Voici pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là ne se passent plus, au fait. Moi, je veux savoir comment, dans une société comme la nôtre, où le gouvernement ne nous écoute pas, où le gouvernement n'a rien à foutre avec ce que nous réclame, on peut parvenir à contrer ce genre de loi, au fait, qui est sur le point de qui est sur le point d'atterrir au niveau de chez nous. Bien, c'est ce que je Voilà, disais à c'est la fin. compliqué. Tu as fait une proposition. Merci beaucoup pour ton intervention. La première proposition, c'est d'abord une proposition de révolution. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de force, le rapport de force. Ça veut dire il faut occuper et prendre la rue. Bon, les gens m'ont toujours dit, et je suis la plupart des activistes, ils disent non, les Gabonais, ils sont nonchalants, ils ont peur, ceci, cela. J'ai dit non. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont les stigmates. Ils ont les stigmates, c'est-à-dire qu'ils ont encore les traumatismes des années précédentes, 2009, 2016. Hein, ils pensent à ça, les armes qui ont pétillé à gauche, à droite. Donc ils se disent que s'ils vont marcher, c'est fini. J'ai admiré le courage d'un jeune compatriote dans la zone de Kingélé. Je le connais pas, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais mon Dieu, j'ai eu la chair de poule quand j'ai observé le courage de ce jeune homme-là. Il a mobilisé le quartier de Kingélé. Il a bloqué la circulation. Il a revendiqué. Il a dit, il y a certaines priorités pour le quartier. Mais imaginez-vous, si nous avons au moins dans chaque quartier 10 jeunes comme lui faire la même chose, je crois que ce pays va bouger. Je le répète, l'exemple de ce jeune homme de Kingélé qui s'est levé, si on peut avoir 10 dans chaque quartier, je vous dis que lui seul, il a bousculé des voitures où il y a même des voitures de grandes personnalités, hein? Mais ils ont rebroussé le chemin, hein? Des voitures, qu'on appelle les transports publics, là, hein? On appelle ça comment encore? Pas des clandos, mais le genre des bus, les minibus, où il y avait pourtant des costauds dedans. Mais ce gars s'impose, il tape sur la voiture, les gars sont obligés de faire demi-tour. Imaginez-vous si on en a au moins une dizaine comme ça dans chaque quartier. C'est cela ce que j'appelle la révolution. La révolution, c'est quoi? Même si le ministre actuel de l'intérieur ne va pas accepter, si vous vous érigez de manière légale, ce que je viens de proposer à mon fils qui est au Congo là, qui est du Congo, je veux dire, si de manière légale, vous érigez, vous formez un groupe d'une association pour la conservation de nos valeurs traditionnelles et tout, vous trouvez un nom. Si c'est un nom, par exemple, tel que Wumanani, Gibatu, quelque chose comme ça, vous trouvez un nom local, hein, et vous allez au ministère de l'Intérieur. Je ne vois pas comment Monsieur Mata va refuser. Parce que vous expliquerez le but de votre association. Association à but non lucratif qui revendique simplement le respect de nos valeurs morales, spirituelles, retour à la sincérité, à la sincérité. Vous faites ça bien, bien, bien fait avec votre logo, OK? Avec votre siège. Et même si il y a seulement, même si c'est une société, même si c'est une organisation non gouvernementale qui a seulement 1 million de francs CFA ou bien même 100 000, tant mieux. Mais au moins vous faites légaliser. Il ne va pas refuser. Tentez d'abord cette expérience. Vous allez me dire la suite. Une fois cette association est reconnue, eh ben, vous faites vos réunions, vous choisissez un endroit où se trouve votre siège avant bien sûr d'aller faire la demande. Si vous allez vous retrouver chez Monsieur Mabiala, qui est au quartier Nzayon, c'est là le siège temporaire jusqu'à ce que un édifice public va être construit.
Voilà comment ça peut aller petit à petit jusqu'à atteindre une grande dimension. Mais si vous partez de manière brutale, avec violence, ce ministre-là va dire, niet, je n'ai rien à foutre. Oui, on en a marre de ce que les Français font. Parce que non, 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 il faut aller avec la diplomatie. Il faut aller avec la politique. Parfois, on est obligé de changer de stratégie. Maintenant, si cette procédure en vue de légaliser la chose, elle est refusée par le ministre, la prochaine situation, personne ne peut vous interdire de vous retrouver 5 personnes ou 10 personnes. Je crois qu'il y a un règlement qui parle de ça, ou je ne sais pas, la Constitution. La rencontre des citoyens du pays pour discuter des choses, vous pouvez créer ce qu'on appelle un banja. Il n'est pas interdit de construire un banja du Bouïti, par exemple. Les Bouïtistes, ils ont les temples partout. Donc, vous pouvez construire un temple. Il suffit de réunir les moyens. Un temple qui peut réunir tant, sans peu, bon, pour un début, 20, 50 personnes. Vous vous retrouvez là, vous parlez tranquillement, sans semer du désordre, sans crier, sans semer de quoi que ce soit. Je crois que ça, c'est le... Il y a plusieurs moyens. Maintenant, le moyen le plus efficace, c'est celui qui consiste de faire la révolution. Une révolution responsable, c'est ne pas casser. C'est faire des marches, c'est faire des manifestations de revendications, c'est aller au ministère des tutelles qui se charge de ce genre de questions. Ce ministère que nous connaissons, que vous connaissez sûrement, qui a accepté une connerie, qui a accepté la chose immonde, alors qu'on a d'autres priorités. Si on peut multiplier ce genre d'association sur tout le territoire, je ne vois aucun mal. Le président ne sera que conscient parce qu'il va regarder et dire, ah, les gens donc ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Il ne va pas envoyer l'armée, rassurez-vous. Je le répète, 2023, là, ce ne sera plus comme 2009 ou 2016 où les gens ont débarqué. Les militaires ont été sensibilisés. Et encore, les pauvres militaires, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'ammunition pour aller tuer les Gabonais comme eux, comme des bêtes. Ils vont pas le faire. Que ce soit la GR ou je ne sais trop qui, il n'y aura pas tout ça. Parce que tous les regards sont braqués sur le Gabon. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je ne veux pas dévoiler les sources de mes informations. Ici, aux États-Unis, je ne maîtrise pas la France, mais ici, c'est ce que je sache depuis les États-Unis, ils ont les yeux braqués sur le Gabon. Il y a des intérêts importants. La France a un problème en ce moment. Pourquoi? Parce que le Gabon, par le canal de son président, a décidé d'introduire une demande de faire partie de ce qu'on appelle le Commonwealth. Et cette demande a été agréée et le Gabon a commencé déjà à assister. Et quand on commence à assister aux réunions du Commonwealth, ça veut dire qu'on est maintenant partie intégrante. Partie intégrante. C'est-à-dire qu'on a intégré les philosophies, on a intégré les policies, qu'on appelle ça, les politiques du Commonwealth. Donc, logiquement, la France est dans une situation telle que, même si elle a ses intérêts en France, les États-Unis d'Amérique ont désormais l'intérêt en France, au Gabon. Les Anglais ont désormais les intérêts au Gabon. Et tous les pays anglophones, hein, je vous informe. Donc, voilà une situation qu'on peut bel et bien exploiter. En dehors de ce live, si vous voulez que le sujet vous, si vraiment le sujet vous préoccupe tant, on peut parler en privé et je vais vous mettre en contact. On va faire des recherches sur certains organismes du Commonwealth. Parce que ce n'est plus le Gabon, je veux dire, ce n'est pas la France. Même si on dit qu'il y a les intérêts français, c'est un ancien colonisateur, c'est un ancien pays avec qui on a tout à fait pas de colère. Mais la France ne peut plus avoir le même pouvoir que nos amis du pays qu'on appelle le Commonwealth ont. Les Gabonais ont tendance à négliger ce côté. Ce côté-là, il faut bien analyser pourquoi le président Ali Bongo a décidé de rentrer dans le Commonwealth. Il faut se poser des questions. Et ça, là, je ne peux pas en parler au public. D'accord? Voici un peu les stratégies que je vous mets en place pour vous dire que tentez d'abord de rencontrer le ministre de l'Intérieur, ça pourra marcher. Et vous me direz la suite. Si ça ne marche pas, ben, je vais vous donner d'autres stratégies en passant par les pays du Commonwealth. Et ces pays du Commonwealth, vous les connaissez. Il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande. Ils sont nombreux. Il y a au moins 1 centaine de pays. Merci beaucoup. D'accord, mais merci beaucoup. Je Mais vous ce en que j'avais prie. aussi à demander, c'est parce Oui. que au fait c'est en fait c'est en fait ces autorités, bien qu'ils sont des autorités aujourd'hui, mais avant tout ils sont d'abord ils sont des, ils savent aussi en acceptant Oui.
Qui est ce Maurice, genre de loi? Maurice, 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 s'il vous plaît, coupez votre micro. Maurice, coupez votre micro, Mais s'il vous avec plaît. des chiens 110 000 ou 100 000, je vais trouver. Ou à l'intérieur. Maurice, veuillez couper votre micro. Je vais commencer à chercher. Oh là là. Sortez du. Arrête. C'est pas ça. Je ne sais pas comment c'est là vraiment. le bloquer. Non, mais je peux faire descendre. Avec tout. Moi, je veux jamais dire que je veux la langue. C'est bon, je l'ai coupé. Je ne savais pas que je peux couper son micro depuis ici. Ok, tu peux continuer. Oui, je disais, étant donné que ces dirigeants, eux-mêmes, ce sont des Noirs, des Bantous comme nous, comment eux, d'abord, ça peut les traverser la tête d'accepter ce genre de loi? Parce que j'ai suivi au niveau du Cameroun, au niveau du Cameroun, eux là-bas, ils ont refusé, hein. Ils ont Claire. refusé catégoriquement que cette loi soit votée. Mais au niveau du Gabon, je ne comprends pas. Ils nous ont d'abord amené la dépénalisation de l'homosexualité. Aujourd'hui, on nous amène encore une loi comme celle-là, où on va enseigner comment, je ne sais pas, je suis un jeune Gabonais, j'ai un enfant de 2 ans. J'imagine que l'année prochaine, mon enfant va aller à l'école. Et en allant à l'école, lui qui est encore naïf dans ces petites choses de l'école, on va commencer à l'apprendre ce genre de choses. Et après demain, je vais me retrouver dans des situations où je ne sais même pas, ou même je n'ai même jamais songé. Mon enfant va venir me parler que, oh mon papa, au fait, je n'arrive même pas d'abord à l'imaginer. Mais aujourd'hui, ces dirigeants étant eux, je sais pas, peut-être eux-mêmes se disent peut-être qu'en acceptant ce genre de loi, parce qu'ils savent que leurs enfants ne vont jamais subir ce genre de choses, ce sont les enfants des pauvres comme les nôtres, et nous-mêmes qui allons subir ce genre de choses. Voici pourquoi eux, ils font comme si de rien n'était. Mais un peu d'humanité, c'est comme si ils étaient complètement dépossédés de ces gens, au fait, de cette humanité. Ce Ouais, serait je comprends. criminel ce qu'ils font, en fait. C'est criminel parce que ce serait quasiment envoyer tout un peu des futurs cadres de ce pays. Je ne sais pas, mais tellement cette histoire me dépasse que je ne sais même plus, j'ai plus vraiment de mots. Et Oui. aujourd'hui, ces églises-là, les églises, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Nzaoyon, comment il y a eu je sais pas, une mobilisation des jeunes et des chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes aujourd'hui, ils savent que cette chose-là, c'est quasiment contre nature. Ça va, au fait, ça va au-delà des principes de Dieu. Mais ils ne peuvent pas aussi sortir pour dire non, on ne veut pas de ce genre de choses au niveau du Gabon. Mais Mais c'est ce personne ne que, réagit. je ne veux pas t'interrompre, mon fils, mais c'est ce que j'ai dit tout au début. Je suis sorti avec le livre de Romains, chapitre 1, d'abord du verset 18 jusqu'à 21, qui explique comment les gens ont tourné le dos à Dieu, et ce qui explique la colère de Dieu aujourd'hui contre les hommes. Et cette colère s'explique par le fait qu'il fasse quoi? Le verset 21 jusqu'à, le verset 24 jusqu'à 26 explique pourquoi il y a la colère de Dieu, explique pourquoi. La plupart de certains pays n'ont plus le bonheur, ne connaissent plus la paix, la stabilité, mais parce qu'ils ont autorisé, et ça c'est Paul qui parle aux Romains, ça s'est passé à l'Empire romain. C'est parce que tu n'étais pas au début, l'Empire romain est tombé parce qu'il faisait des orgies sexuelles. Il buvait le vin, il mangeait, il s'entrebaisait, il se suçait les sexes. C'est ce qui se passa. Ils ont mal interprété les rites funéraires d'Osiris et d'Isis qui se passaient en Égypte, parce que Osiris, son pénis avait été absorbé et mangé par le poisson rouge et le poisson qu'on appelle la raie, le poisson qui est gros là, qui couvre sous la mer. Ce sont ces deux poissons-là qui ont bouffé ça. Maintenant, en symbole, les Égyptiens célébraient ça, on représentait un pénis sur le dieu Osiris. Mais chez les Égyptiens, dans l'Égypte antique, on n'adorait pas, on ne faisait pas des orgies. Et les Romains faisaient cette orgie-là. Donc, Paul, quand il écrit cette lettre aux Romains, il leur fait rappeler effectivement que si Dieu vous a tourné le dos, mais parce que vous avez laissé l'usage naturel, les femmes qui vont avec les femmes, donc les lesbiennes, les hommes qui vont avec les hommes, donc les homosexuels. C'est cette même Bible que tous les chrétiens du monde entier ont. Le verset là n'a pas été modifié. Il n'y a pas que ce verset. Il y a dans le livre des Éphésiens le règlement sur le mariage. Il y a dans le livre de Tite, dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Timothée. Première lettre, deuxième lettre, dans la lettre aux Galates, mon fils, je suis un ancien pasteur, je vais te réciter tous ces versets. Je te dis qu'il y a des milliers de versets qui condamnent avec force cette affaire-là.
Même dans l'Ancien Testament, vous lisez le livre de Lévitique, le livre même d'Exode, quand Abraham, comment il s'appelle, Moïse marchait avec le peuple d'Israël, il arrivait un moment où les gens faisaient des incestes. Dans le règlement même du livre de Lévitique, les instructions ont été données aux prêtres que si tu surprends un homme en train de se masturber, il doit être exécuté. Maintenant, les gens m'ont dit non, c'est l'Ancien Testament, comment on va tuer le type qui exprime son plaisir à se masturbant? Ou bien, il y a un autre cas où si on trouve une femme qui va avec une autre femme, tu dans le livre de Lévitique, on doit la lapider jusqu'à mourir. On dit non, c'est l'Ancien Testament. Mais là, Romain, est-ce que c'est l'Ancien Testament? Romain, c'est le Nouveau Testament. Timothée, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Qui a écrit ça? C'est leur type là qu'on appelle Paul. Lui-même Paul, il a refusé de se marier. Il a dit non. Maintenant, si vous ne pouvez pas être comme moi, mariez-vous. Un homme avec une femme, mariez-vous. Il dit, le diacre doit se marier avec une femme. Il n'a pas dit que le diacre doit aller se marier avec un autre homme. Mais je vous dis, la chose immonde se trouve même au sein de l'Église. C'est pour cette raison, leur propre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, dit que c'est là la femme ivre. La femme ivre. La femme qui est saoule. Elle est en train de se saouler du vin. Hein? La reine Jézabel, de temps moderne, assise et en train de chevaucher sur la bête sauvage. Parce que tous font les mêmes conneries. Donc, il y a la bête sauvage qui est l'ONU qui vient avec ses organismes. Et cette bête sauvage a 10 diadèmes, 10 têtes qui disent des choses bizarres. Les 10 têtes, c'est l'ensemble de tous les pays qui sont là, qui participent et se greffent dans les conneries de l'ONU. Et enfin, il y a une femme qui est ivre, l'ivrogne. Cette femme qui est ivre, c'est l'Église qui soutient avec force toutes les conneries qu'ils font. Vous avez soulevé un problème très important. La jeunesse gabonaise, ils attendent quoi? Tous les prêtres gabonais, là, les pasteurs, ils ne peuvent pas se lever avec le machin. Hein? Se lever et dire que non, trop c'est trop. Sur l'affaire de la dépénalisation, ils sont allés voter la loi. Mais est-ce que dans cette assemblée, par exemple, au cas du Gabon, la majorité, c'est des chrétiens? Mais ce qui me déçoit le plus, il y a des musulmans dedans. Est-ce que vous savez que l'islam interdit de faire même mention du mot sexe dans la bouche là? C'est l'une des religions où la pureté spirituelle, morale est au haut standard. Voilà pourquoi quand on partait dans les pays arabes là, on demande les gens de se couvrir n'importe comment. Ce n'est pas de l'autocratie ou bien de la dictature quand on demande les femmes de se couvrir le voile, mais parce qu'ils considèrent que la tête d'une femme, les yeux d'une femme, les dents, les lèvres de la femme ne doivent être vues que par l'homme. Donc ils considèrent que le sexe, c'est une affaire privée dans la chambre. Mais regardez les gens qui dirigent le pays, par exemple au cas du Gabon. Il y a des musulmans, des chrétiens. Mais comment ils n'ont pas vu ça? Monsieur Oseni, là, qui est le grand chef de tous les imams du Gabon. Mais pourtant, j'ai appris que c'est quelqu'un qui connaît bien le Coran. Il n'a pas vu le passage du Coran là qui dit que on n'a pas le droit de toucher ou parler sexe. Ça ne doit pas être quelque chose comme ça. Mais regardez, et pourtant ce sont eux qui sont des conseillers du président de la République. Tous ceux qui sont des hauts commissaires là, auprès du président. Mais c'est des gens que je vois à l'église tout le temps. Ils n'ont pas vu tout ça. Voyez-vous? Donc, c'est clair, mais... si eux, ils ne le font pas. Mais maintenant, vous, les jeunes là que vous êtes en train de faire mention, ils ne peuvent pas se lever, faire même des marches pacifiques. Faire des marches pacifiques avec le livre de Romains chapitre 1, du verset 24 à 26. Ressortir les paroles là, c'est aussi simple. C'est comme cela, les gens font pour aller contre des lois iniques, des lois immondes. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de faire du tapage. Il soulève seulement la pancarte. Romains chapitre 1, verset 24 à 26. Le passage est là et les gens vont voir. Ils n'ont pas besoin de faire du tapage. Donc, je comprends dans quel état vous êtes. C'est pour cela que je suis venu exprimer mon ras-le-bol. Bon, là, on a déjà dépassé une heure, mon fils. On va pouvoir partir. J'en ai terminé d'accord pour le moment. Merci d'avoir participé à mon avis. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous bénis. Merci. Et bien de choses à vous. Merci. Merci. Je vous en prie. Bon, ceux qui vont suivre cette vidéo sur ma chaîne YouTube, rassurez-vous, le ras-le-bol que j'exprime ici, je ne suis pas venu insulter ou manquer de respect à notre chef qui commande le Gabon. Je ne suis pas venu ici manquer de respect au président africain. Mais je suis venu simplement dire qu'il soutienne les douleurs que vit le peuple, qu'il soutienne les douleurs que vit le peuple. Parce que la majorité des peuples, et je parlerai du cas de la majorité des Gabonais, ils ne sont pas prêts à accepter ce genre de choses. Nous avons fait des sondages. Nous avons discuté avec des familles. Cela, je vous dis, c'est grave. Si on continue sur cette voie-là, non seulement nos génies du pays-là
vont être en colère. Là, TikTok vient de me dire que j'ai déjà atteint 1h30. Merci beaucoup de me rappeler cela. Donc, la conclusion, c'est celle-là. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement gabonais, contre le gouvernement togolais, mais moi, je suis contre ce que l'ONU, avec ses organismes, ils sont en train d'imposer aux Africains. Ce n'est pas bon. Et c'est à nous maintenant, au niveau de l'Afrique, nos dirigeants, prenez conscience, réveillez-vous, écoutez d'abord le peuple, passez par des lois référendaires, faites le référendum d'abord, demandez l'opinion du peuple avant de faire passer ce genre de loi. Parce que notre jeunesse, je vous dis, à l'allure où vont les choses, on risque d'avoir des futurs dépravés de la société. On risque d'avoir des futurs malades mentaux de la société. Des gens complètement déconnectés de la réalité. Nous voulons faire revaloriser nos valeurs morales. Or, nos valeurs morales, un pays, un bon citoyen, le citoyen d'un pays qui veut occuper les hautes responsabilités d'État, qui veut être un responsable au sein de sa famille d'abord, et au niveau de la conscience collective, doit être un homme qui est équilibré dans tous les plans. Équilibré tant dans le plan physique, moral, spirituel et mystico-spirituel. Donc, cet équilibre consiste donc à avoir de la considération et du respect pour son corps, pour lui-même et pour le reste. Et les questions en rapport avec le bas de la culotte ne doivent être point vulgarisées ou encore diffusées ou encore divulguées ou encore discutées sur le banc public. C'est des questions privées. Donc, voilà pourquoi je suis contre l'injure publique. Je suis contre l'injure politique qui consiste à insulter les gens le bas de la culotte ou s'occuper de la vie privée de ceux qui nous dirigent. De maintenant que ceux qui dirigent, s'il vous plaît, évitez de mettre des lois qui ont un rapport avec le bas de la culotte. D'accord? Ça, c'est ma suggestion. Ma suggestion serait la suivante. Ne mettez pas ceci dans la Constitution. Ne faites pas passer une loi sur ça. J'apprécie votre dédicace, votre dédication de pouvoir faire passer ces lois. Je m'adresse au groupe de près de 6 médecins et docteurs éminents, intellectuels gabonais qui ont participé à l'élaboration et à la complicité de pouvoir faire pousser cette loi-là. Réfléchissez bien. Ce sont vos enfants et vos arrière-petits-fils qui vont subir. Vous ne serez plus vivants. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Que deviendront vos arrière-petits-fils? Voulez-vous qu'ils soient de dépravés? Voulez-vous qu'ils puissent subir la colère de celui qui a créé les cieux et la terre? Vous, les médecins, parmi les 6, les docteurs que j'ai vus les noms là. Et pourtant, vous êtes des religieux, non? Vous appartenez à des milieux religieux. Vous êtes des personnes spirituelles. Et que faites-vous alors? Dans la franc-maçonnerie, ils ont une Bible. La même Bible, c'est Romains chapitre 1 qui est dedans. Faut bien réfléchir, hein? J'en ai terminé. Et que d'ici là, portez-vous bien.